Par petit bout. De toute façon, tu sors, ils sont là. Putain. Alors, il y a un petit groupe, allez, allez. Vous reculez, vous devez faire des cartes. Allez, vous reculez, s'il vous plaît. Il n'y a pas 3-4. Et filmez, filmez. Séquestration. Filmez, filmez. Filmez. Et ce sont des batteries, vous filmez. Et maintenant, on va sortir. Séquestration, ça. C'est nous. C'est une nationale, monsieur, vous sortirez mais pas. Et ben alors on reste là et on reste là et on bouge pas. Vous reculez. Et ben vous, vous restez tous ici, on bouge pas. Et puis c'est tout. On reste tous ici, on bouge pas. On reste tous ici, on bouge pas. Et on pose le touche, vous sortez tous. Eh si, eh. Oh, oh. Le camion, oh. Le camion, oh. Oh. Le camion. S'ils le touchent, ils sortent tous. Pas de bagarre, rien. On sort, on bloque le camion. Sinon, on reste tous là et on bouge pas. Ok. Oh. Oh, sinon, tout le monde se démerde. Soit on fait un bloc, soit on fait rien. C'est pas compliqué, la vie. Et c'est pas par petit bout, ça va être tout. C'est pour la sécurité. Y'a du monde ou quoi, là? Oh. Oh. On veut sortir, putain! Oh, on va chier, les mecs, quoi! Non, mais c'est la même chose! Mais on s'en fout, c'est un squat! Ça sert à rien, ça sert à rien! Stop, 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 stop! Arrêtez de gueuler, ça sert à rien, ça va gazer, c'est tout ce que ça va faire! On va tous bouger le cul! Sinon, on reste tout comme mort! C'est qui négocie? Putain, on va déconner! C'est moi! Oh! Pourquoi vous laissez pas sortir? C'est comme ça. Vous n'êtes pas juste qui a la saisie. Dites-le, monsieur. Dites-le. Dites-le. Il a pris une demi-heure de ta vie. C'est toujours la même. Vous lui avez fait des jours à l'envers. Une demi-heure de ta vie pour pas t'en tuer. Vous avez laissé faire et après vous. Ok, les gars, je vous poursuis. C'est marrant. On est chaud. Faut filmer là, filmez. S'il y a une baston, s'il y a un flashball qui part ou n'importe, filmez putain. Putain, ils sont bien armés ces enculés. Non. Eh là, je suis en train de gueuler, c'est moi qui vais prendre le premier, alors allez-y maintenant putain. C'est quoi ce bordel? Personne bouge son cul. Putain, fraternité. Eh ben mon pote, qu'est-ce que tu nous fais? On va faire quoi? S'ils prennent le camion, on sort, ils sont 10. Ils sont 10. Après, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de gendarme, il n'y a rien. On avance, c'est tout. Je parle pas de bagarre. Ah là là, donc voilà, ces enfoirés nous bloquent, nous enferment. Qu'est-ce qu'on fait là? On se bouge pas le cul, reste comme ça, on n'a pas qu'on nous contrôle. Tout le monde est défoncé, de toute façon. Tout le monde est défoncé, comme de naze, alors maintenant, on nous passe le cul. Sans déconner. Merde. Mais tranquille, pas de baston. Cool. Putain. Bah le ouais, camion de son, il est là-bas au fond, là. Vous filmez le préfet, les keufs et tout le monde, bordel de merde. Et vous envoyez ça sur le profil pour le hardcore et tout. Le camion de son, c'est le camion blanc. Il n'y a pas de trou dans le grillage, là, par là-bas, les gars? Bah, il y en a de l'autre côté, après, on peut en faire ici, hein. 10 000 euros, bande de naze. Il y a des mecs qui vous ont fait danser. Ta gueule, ta gueule, je vais te bouger le cul. Tu parles à qui, là? C'est bon, arrêtez. Ah là là, elle est belle la France, hein. Putain. Alors le son, il est là-bas, au fond, dans le camion. Le camion blanc qui est dehors. Ah ouais? Ok, menace comme ça.
Celui qui force le barrage, il a les pieds crevés. Bah ouais. Bien vu la violence, hein. C'est qui a les pieds crevés? En gros, il menace que si on force le barrage, il nous crève les pieds, soi-disant. Notre joli monsieur de la police. Ouais, pas bon pour le camion, hein. De toute façon, ouais. Bon allez, on peut partir là, s'il vous plaît. Là, ils vont crever des pneus avant, c'est plus marrant. Là, ils vont nous couper les pieds. C'est la loi, l'air. Non, crever, crever les pieds. On a tous une famille. Ouais. On a tous une bouche à nourrir. Une famille. Comme vous. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. Bah ouais, on est tous pareils. On se torche le cul avec du papier, hein. Je prends les pas pareils. Voilà, je prends les pas pareils. Je prends les pas pareils. Monsieur. On ne voit pas la... Monsieur, je suis pas. Ça fait la justice avec la différence qu'il y a. Non mais après, ils vont parler. Bon sang, on continue à se toucher la queue là. Les barbelés le t'aiment pas autant que tu ne les aimes pas. Alors ne les frappe pas, sinon ils te feront du mal. Sébastien, si on passe en force, ça va être la merde. Genre gazeuse, matraque et tout, on va s'en prendre plein la gueule. Tu nous fais sortir ou ça passe chemin là? Hé hey Yoann, t'as les clés? T'as les clés? What the shit? Ah super! Toi foutre notre gueule! Non. Le camion tournait, on est remonté, les phares étaient allumés, le camion éteint, plus de clés. Ah super! Donc ça, ça vole les clés du camion. Ah bah ouais hein! Police exemplaire mon cul ouais! Lâche mon pull! Ah, putain de barbelé là! Ah, en passant, on est des connards! Ah oui, mais oui, c'est nous! On paye pas les mêmes impôts que vous, peut-être! Oh. Ah oui! Je suis peut-être un mariole pour vous, monsieur, mais. Je pense qu'il y a un pion! Eh, quelqu'un a une pince Monseigneur ici ou quoi là? Ah bah non, elle est dans le camion! Alors le camion son, il est sorti, il est juste là-bas et c'est messieurs la police nationale qui a les clés du camion, qui les a pris de manière sournoise et sans prévenir les propriétaires. Ah bah ouais, flashball et tout, bah ouais, bien sûr. Ah bah évidemment, hein, les flashballs, c'est sûr que c'est bien. Hein. Ah bah ouais. Ah, ça va taper du drogué là, c'est bien là. Alors non, il n'y a pas d'autre portail en fait. Genre, c'est fermé de partout, il y a des barbelés partout. Ah ah ah. Ok, ça bouge là-bas, les gendarmes. Comme Kevin a parti, je peux pas zoomer malheureusement. Oh, bande d'enfoirés de connards de merde! Eh, ça gaze, ça gaze, ça gaze! Bande d'enculés! Bande d'enculés! Eh, sort, viens, 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 viens! Bande de connards! Ah bah ouais, ça gaze, hein! Et c'est bien content de gazer, là! Bande de connards! Vous mettez la vie des gens en danger! Laissez-nous partir! Allez, vous faire rentrer! Oh, ça vise au flashball! Ça vise au flashball! Ah bah ouais, ça met en joue, enculé, bah! On pose un squat ici! Regardez cet enculé qui vise au flashball, là! Ah bah ouais, je filme, hein! Bon, une partie des gens sur la nationale! Mais voilà, fermez ça, gueule! C'est une soirée, c'est quelque chose d'éphémère. Rien non, dire. Non. C'est bon, arrêtez de vous chamer. Arrêtez de vous chamer. Là, on a un ennemi commun, donc arrêtez là. Ah là 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 là.
Ça va? Tu vas bien? On bloque la route, putain. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu veux de l'eau? C'est la première fois de ma vie que je me prends ça dans la gueule. Ah bah ouais, bah voilà. Bah là j'ai pas d'eau sur WAM, mais si tu veux... Bah là je suis en live donc je vais pas trop bouger mais... Il est où le médiateur 91 là, hein? Ouais, enfin on se laisse pas faire, mais bon quand ça gaze là, c'est quand même plutôt compliqué. Bande de connards! Salope là! Et vous êtes comme Macron, bande de pédales! Je suis laissé de dire! Ah bah ouais, ça rigole, hein, ça rigole! Bah ouais, bien sûr, c'est marrant! Hein. Alors, ah là 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 là! Mais regardez-moi ça! Eh, y'a pas quelqu'un qui a une batterie externe, s'il vous plaît, c'est pour le live! Eh, le live! Oh la fin! Grave, je sais pas comment c'est fait là! C'était soit un coup de gueule, soit c'était. Oh les gars, vous avez pas une batterie externe par hasard? Non. Sérieux? Bon bah moi. Saisis, si, il vient se faire embarquer avec la menace. Y'a Donna aussi? Non, Steve, il s'est embarqué avec les menottes. Ah, avec les menottes. Ah, donc nous avons Steve qui a été embarqué avec les menottes, etc. Donc voilà, super. Super. Ah bah ouais, arme bien ta gazeuse, hein. J'ai l'impression que BTS et gazage, ça rime assez bien quand même, hein. Non, mais ton permis, tu me dis que tu l'arrives, c'était pas logique que ce soit terminé 40 ans. Non, ouais, voilà, parce que je me dis que c'est un problème, mais c'est chiffre, c'est un problème. Qu'est-ce que je veux dire ou pas? Bah, moi j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, ça me plaît, les choses comme ça. Alors, on est aux alentours d'Angerville. Eh, hey, mais c'est pas eux qu'il faut parler. Non, s'ils étaient pas là, ils sont tous ensemble. Putain, regardez-moi cet enculé à droite avec sa, avec son flashball là. Putain. Alors le camion son part. On suppose qu'il est conduit par des flics. Voilà. Eh, vous avez le son maintenant, vous nous laissez partir, non? Vous avez ce que vous voulez? Putain, mais sérieux les gars, ils ont le son, ça y est, c'est bon. Putain. Ouais, c'est bien un site militaire. Ah là là. Ah, elle est belle la police d'aujourd'hui, hein. Alors moi j'ai peur parce que je suis sur un petit muret et j'ai peur que ces enculés ils me visent avec le flashball là. Ah, t'as pas une batterie externe par hasard? Oh Samuel, t'as pas une batterie externe? Une batterie externe? Hey, comment ça lance les cailloux toi là-bas? Ah 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 ah, alors flashball, flashball, flashball. Oh, oh, bon d'enculé là. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, hein. Ah c'est beau, hein. Mettez-vous devant, ils ont pas à tirer! Mettez-vous devant, ils ont pas à tirer! Moi je prends pas le risque! Ah! Eh, on fait rien! Vous faites la porte et nous sont partis, bordel! Mais quoi, ouais, j'ai ton placement de la vie! Arrêtez de tirer les gens avec bonheur! 58% de batterie! Il y a encore un danger envers vous! On n'est pas des gars, on n'est pas de calage!
on a rien à dire, frère. Mec, tu fais des cailloux. On est pas en train de faire un attentat. Ah les gars, comme ça là, on a un briquet, une roulée. Putain, votre mère là. Cassez les couilles. On a ça à foutre, mon frère. C'est un délire. Bon alors les gens qui ont jeté des cailloux sont des mecs à droite là, on sait pas trop qui c'est. Évidemment c'est pas nous qui avons fait ça. Enfin c'est pas. C'est pas rentable pour le magasin là, je te dis. Eh Lucas, Lucas, t'as pas une batterie externe par hasard? Moi j'en ai une, elle est vide. Oh putain. Putain, bien vu, bien vu, bien vu. La batterie externe. Tu sais que je m'en suis pris à peine, mon gars, et ça me. Mais non, mais non, mais mec. Mais moi, à peine. À tout. Putain, on veut sortir là. Putain. Non, mais mec, c'est comme le gaz moutarde de leur truc. C'est du. Limite, on dirait que c'est du gaz moutarde. Eh, tu peux filer un comment s'il te plaît? Tu peux filer un comment? Est-ce que tu peux mettre le câble USB dans la batterie? Genre, tu peux être plus branche. Bien sûr, on se fait des ordres, on se fait de la batterie, on comme ça. Voilà, là. D'accord, non si. Franchement, c'est la première fois qu'un teuf ça me fait ça. Aucun problème avec toi, on peut partir. Putain, batterie externe du futur et tout là. Maintenant, vous voulez qu'on reste pour savoir, genre, même il y a ça, vous étiez indécis. Un moment. Eh, les gros, faut savoir ce que vous voulez, hein. On n'est pas des pantons. Pourquoi vous nous laissez bloquer, putain? C'est pas le choix de tout le monde. On n'a pas choisi pour vous, hein. C'est votre choix d'être ça. Hein. Nous, on choisit pas. Alors, il y a aussi une petite interrogation. Là-bas, on a un camion jaune citerne. C'est absolument pas à quoi ça sert. Oh, admirez bien cette belle image. Bon bah on retourne aux voitures. Ouais mais tu sais sinon c'est pas drôle tu vois.